Eh bien salut tout le monde, c'est mon bricolage vlog, aujourd'hui je répare en meubles de salle de bain. Donc comme on peut le voir ici, les pièces sont complètement de travers et c'est dû au montant mélaminé qui s'est voûté car il supporte quasiment tout le poids du meuble et ensuite on peut voir l'écartement entre la vasque et le meuble. Donc je commence par tailler mon montant dans un bout de bois exotique. Puis le recoupe à la bonne longueur. Ensuite, je trace puis coupe des bouts enlevés pour que ma traverse rentre. Je la rabote un peu puis la ponce. Puis il perce 4 trous. Donc là on peut bien voir comment la traverse a plié en peu de temps. Donc après avoir coupé l'eau, je me fais des repères pour ne pas mélanger eau chaude et froide, puis démonte les arrivées et la sortie d'eau. Puis enlève l'ancien silicone. Je commence par dévisser toutes les vis de fixation pour sortir le meuble du mur. Puis le retourne et démonte les pieds. Ensuite, j'enlève l'ancienne traverse en la coupant en deux, puis coupe ses fixations. Je peux essayer ma nouvelle traverse et il me reste plus qu'à la fixer avec des vis et de la colle. Puis perce et fixe des petits bois pour pouvoir fixer mon meuble au mur. Ensuite, opération inverse, on rebascule le meuble puis on le met sur des cales. Ma caméra avait plus de batterie donc je n'ai pas pu filmer, mais on a juste fixé le meuble au mur. Ensuite, j'enlève les caches noires des pieds pour pouvoir les recouper puis les remboîter.
puis je les refixe. Je peux remettre le système d'arrivée et de sortie de l'eau. Puis faire le nouveau joint silicone. Et remettre les tiroirs. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez en masse et lâchez votre avis dans les commentaires. Allez, salut pour une prochaine vidéo.